Bonjour à tout le monde et bienvenue à ce webinaire qui va se focaliser et présenter des exemples de comment on a adapté les activités du renforcement des capacités pendant la pandémie de la COVID-19. Plus particulièrement, il y aura trois associations qui vont nous guider dans cet exercice. C'est l'association AMAN, les réseaux interagences pour l'éducation en situation d'urgence et WorldChild. Ces trois associations vont nous présenter leur expérience. Mais avant de leur donner la parole, je voudrais brièvement introduire à vous tous les trois associations. WorldChild est une association qui travaille pour protéger, éduquer et défendre les droits des enfants affectés par la guerre. Et le travail de WorldChild se focalise sur la protection des enfants, l'éducation et le soutien psychosocial. L'association AMAN est une association dont la mission est de lutter contre toutes les formes de violence envers les enfants, y compris les violences sexuelles, à travers trois axes d'intervention: le renforcement des capacités, la sensibilisation et le plaidoyer. Et enfin, les réseaux interagences pour l'éducation en situation d'urgence est un réseau international ouvert, composé d'acteurs humanitaires et développement qui travaille pour garantir que tous les individus puissent avoir accès à une éducation de qualité, sûre, pertinente et équitable. Enfin, je voudrais aussi remercier USAID, et particulièrement le Bureau for Humanitarian Assistance, dont le support a permis de collecter les études de cas et les présenter aujourd'hui et de conduire ce webinaire. Les collègues qui vont nous présenter leur expérience sont pour WorldChild, Nisrine Yassine et Marianne Abdou. Pour l'association AMAN, Lucie Aline-Grichet-Vallée et Ariar Zerboun. Et enfin, pour les réseaux interagences pour l'éducation en situation d'urgence, c'est Emmeline Marchois. Je vous prie, les collègues que je viens juste de nommer, de se présenter brièvement. Bon, on peut commencer par les collègues de WorldChild. Salut à tout le monde. Je m'appelle Marianne Rapoud et je suis du Liban et je travaille avec WorldChild au Liban. Je suis la coordinatrice des activités psychosociales. Nisrine? Bonjour à tout le monde, je suis Nisrine Yassine, je travaille avec WorldChild au Liban aussi et je suis le programme Quality Manager. Merci Marianne et Nisrine. Est-ce que je demande aux collègues de l'association AMAN de se présenter? On commence par Lucie et ensuite Ajar. Bonjour à tous. Je suis Lucie, donc je travaille pour l'association AMAN qui est basée au Maroc et je suis responsable pédagogique. Merci Lucie. Ajar? Oui, bonjour tout le monde, je suis Hajar Zerhoun et je suis la chargée de formation de l'association MN. Merci. Et maintenant, la collègue des INEE, Emmeline. Merci Anna, merci pour l'invitation à ce webinaire. Je suis Emmeline, je suis la facilitatrice de la communauté de langue française de l'INEE. Il faut savoir qu'il y a une communauté de langue arabe, portugaise, espagnole, française et majoritairement la langue, c'est l'anglais. Merci beaucoup, Emmeline. Avant de commencer et d'entrer directement dans le sujet de ces webinaires,
Je voulais juste rappeler aux participants qu'ils auront la possibilité de poser des questions, soit verbalement, soit dans la chat. On commence avec et on rentre dans les sujets de ces webinaires. Et je commence par vous poser une question. Et effectivement, c'est quel était le besoin de renforcement de capacité à adapter? Bon, merci bien. Donc, en but de comprendre le besoin derrière cette adaptation, il est crucial de résumer en quelques mots le contexte libanais en gros. Dès octobre 2020, le Liban fait face à multiples crises, telles que la mauvaise situation socio-économique, des démonstrations dans tout le pays et enfin la pandémie. Tous ces facteurs ont des énormes effets sur le bien-être des enfants et de leurs parents, bien sûr. En ce qui concerne la pandémie COVID-19, le début de mars 2020 était le confinement total dans tout le pays, où toutes les activités face-à-face ont été suspendues. Il nous fallait de trouver une modalité de continuer, mais ça ne marchera pas sans la participation de la communauté cible elle-même dans cette recherche. Pour cela, notre première étape était de faire des concertations avec les parents, les enfants et les jeunes dans multiples régions du pays, d'évaluer leurs besoins et de comprendre plus les ressources qui existent dans la communauté et la meilleure méthode de les contacter. Sur la base de ces concertations, les parents ont exprimé qu'ils font face à haut niveau de stress et ils se sentent incapables de gérer les sentiments inconfortables ainsi que la difficulté de s'occuper de leurs enfants. Et leur modalité préférée était de recevoir les séances via message audio envoyé par WhatsApp. Donc, c'était en bref le besoin derrière l'adaptation qu'on a déjà fait au Liban. À vous, Anna. Merci beaucoup. Alors, je continue du coup pour Aman. On a été face aux mêmes difficultés, même si le contexte au Maroc est différent, bien sûr, de celui du Liban. On a fait face également à un confinement très strict de mars à juin 2021, avec une fermeture des écoles et une interdiction de sortie pour les enfants en dehors de l'espace familial ou dans les foyers de protection de l'enfance, et une fermeture et un ralentissement très important des principales institutions publiques. Donc, on avait la même difficulté que présentée par World Child, l'impossibilité pour nous de faire les formations en face à face envers les professionnels ou les sensibilisations envers les enfants et les adultes. Donc, on a décidé de faire un questionnaire téléphonique que nous avons réalisé auprès des acteurs de protection de l'enfance pour essayer de voir voilà, quels étaient leurs besoins de renforcement de capacité et quels étaient leurs besoins, et bien sûr si Aman pouvait répondre à ces besoins-là. Ce qui ressort de leurs besoins, c'était d'adapter le travail social à distance. Donc, comment mener des entretiens avec des enfants exposés à la violence à distance, comment adapter les outils de travail social qui sont normalement dans le face-à-face et dans un contact important avec les personnes vulnérables, et également comment faire un appui psychosocial envers les enfants, comprendre un peu voilà, quelles étaient les conséquences du Covid sur les enfants, comment se comporter avec les enfants face à une situation de stress, et puis aussi comment faire face à la gestion de son propre stress et prévenir le burn-out, surtout pour les professionnels qui étaient dans les foyers, par exemple, de protection de l'enfance en permanence avec les enfants. Sur la base de ce constat-là, on a décidé de cibler les organismes de la société civile parce que c'était eux qui étaient en première ligne et parce que c'était eux aussi qui avaient exprimé un besoin le plus fort en renforcement de capacité. On a donc ciblé 30 associations réparties sur tout le Maroc, dans 10 villes marocaines, ce qui correspond à peu près à 60 professionnels qui ont été formés. Voilà pour Aman. Merci beaucoup, Lucie. Est-ce que, Emeline, est-ce que tu peux nous présenter les besoins pour les INEE? Bien sûr, avec plaisir.
Merci. Donc, les formations habituellement en présentiel se faisaient à la demande, au cas par cas, en fonction des organisations. Et lorsque Covid a commencé, on avait de plus en plus de demandes et c'était des demandes qui ne pouvaient plus attendre. Donc, on a dit, voilà, on va se lancer virtuellement. Comme l'arrêt, enfin, les activités en personne étaient arrêtées. Donc moi, je vais vous parler à deux niveaux, en fait. Au niveau de la communauté globale de l'INE, dont les activités se passent en anglais, et au niveau de ma communauté, dont les activités se passent en français. On répond aux besoins d'accompagnement de nos collègues de l'éducation en situation d'urgence au niveau technique. Et nos communautés, que ce soit les communautés de langue ou bien on travaille par région, on est très conscient du fait de pouvoir répondre au présent et d'accompagner ses collègues à distance. Donc, on a habituellement plus de demandes qui se font au niveau de l'anglais. Et pour le français, on n'en a pas beaucoup. Donc, ça nous a donné l'occasion de pouvoir proposer ces formations sur ce manuel, sur les normes minimales de l'INE en français. Donc, les objectifs, c'était de développer les connaissances des normes minimales et de leur compréhension, de les adapter, de les appliquer au travail. Et pour les collègues de l'éducation en situation d'urgence, d'être en contact les uns avec les autres. Donc, vraiment d'essayer de faire en sorte que les gens parlent en même temps qu'ils gagnent en termes de capacité. Les formations sont ouvertes et gratuites à tous les membres de l'INE. Elles se passent à partir de la plateforme Zoom. Pour le moment, il n'y a pas de calendrier de développé. On a fait des pilotes, en fait, donc on pourra préciser des dates dans les mois à venir. L'atelier se veut d'être participatif et interactif. Et ensuite, il y a une petite période de suivi et le soutien est permanent à partir du moment où on a participé à la formation. Merci beaucoup, Emeline, pour cette précision. Et je continue avec vous posant une autre question. Et comment avez-vous adapté votre intervention de renforcement des capacités? Et j'ai pris les collègues de World Child de commencer à discuter de cela. Merci Anna. Je vous parle maintenant de comment on a fait l'adaptation de la méthodologie. On a passé par plusieurs étapes. La première étape, c'était de décider sur les thèmes. C'était basé sur la version originale du Caregiver Support Intervention. On a décidé, après la consultation avec les parents, on a décidé de se concentrer sur sept thèmes, le stress et comment le gérer, le stress chez les enfants, et comment gérer le stress toxique des enfants, la frustration et la colère. On a aussi ajouté des techniques disciplinaires efficaces et des activités et des jeux que les parents peuvent faire avec leurs enfants à la maison. La deuxième étape était de décider la modalité de la mise en place. Vu que plusieurs des parents préfèrent recevoir les séances à travers WhatsApp, à travers des messages audio sur WhatsApp, on a élaboré une note d'orientation afin de préciser les modalités de la mise en place. On a décidé que les animateurs de la communauté qui ont mis en place la version originale mettent en place aussi la version adaptée. Les séances se déroulent en direct. Ça veut dire qu'à une heure précise où tous les participants sont présents avec l'animateur. Mais là, il faut noter que les parents qui ne peuvent pas assister aux séances en direct, ils ont la possibilité d'écouter les enregistrements
quand ils peuvent, et de poser des questions aux animateurs. La solution était de laisser le groupe ouvert jusqu'à 18 heures du soir après chaque séance. La troisième étape, c'était de mettre la structure pour les séances. La structure de la version distante était semblable à ce qu'on faisait en face à face, où l'animateur commence avec l'accueil et l'inscription. On faisait ça avec, en utilisant des activités energizers. Deuxièmement, l'animateur pose aux participants des questions concernant la pratique à domicile, comment ça s'est passé et quels ont été les défis. Après, il montre le thème principal de la séance. Les thèmes principaux, on les enregistrés et chaque thème a été reparti sur deux enregistrements. Après, l'animateur continue avec une discussion sur le thème de la séance et une distribution des propositions de la pratique à domicile. Et finalement, la séance se termine par des recommandations et des commentaires des parents. C'est notre structure, mais il faut noter qu'à la fin de chaque séance, de chaque enregistrement, nous rappelons les parents qu'au cas où ils se sentent incapables de gérer leurs sentiments inconfortables ou qu'ils sont dans un niveau de détresse très élevé, on leur demande de contacter le numéro du service d'assistance téléphonique nationale pour le support. Merci, Anna. Merci, Nisrine. La présentation. J'ai pris maintenant les collègues de l'association AMAN de continuer avec leur présentation sur l'adaptation. Merci Anna. Et donc pour l'adaptation, l'association AMAN en complémentarité avec d'autres actions avait construit le processus de renforcement des capacités, comme vous le voyez, en 5 étapes essentielles. Et donc, la première étape était la formation individuelle en e-learning via la plateforme d'apprentissage en ligne d'Aman. On avait construit cette plateforme en arabe et en français. Donc, les participants ont été invités à suivre 3 modules de formation sur notre plateforme. Et donc, le premier module était consacré au cadre conceptuel lié aux violences et aux violences sexuelles à l'encontre des enfants. Le deuxième module était consacré plus particulièrement aux violences basées sur le genre envers les enfants. Et le dernier module était consacré à l'écoute et l'accompagnement psychosocial de l'enfant survivant de violences. Et donc, à l'issue de chaque module, les participants devaient le valider en répondant correctement à un quiz. Ensuite, on avait commencé un cycle de formation via Zoom. Et donc, 66 professionnels issus des 30 OSC de divis marocains ont été formés en groupes répartis par région, et ce, afin de favoriser le partage des connaissances et créer des liens durables entre les participants. Et donc, cette formation a été étalée sur 2 mois, à raison de 5 séances de 2h30 environ. Et on avait utilisé pendant cette formation des études de cas, des mises en situation en groupe, notamment sur la violence basée sur le genre, sur l'impact de la COVID sur la protection et le bien-être des enfants, et enfin sur les pratiques des travailleurs sociaux, repérage des signes de VBG et principes de base de l'écoute psychosociale chez les enfants. Et donc, à la fin de ce cycle de formation, chaque OSC reçoit un guide référentiel reprenant tous les points essentiels abordés pendant les sessions de formation. La troisième étape était en fait la formation en cascade. Et donc, les OSC ont été formés à raison de 3 séances de 3 heures par groupe de façon régionale sur la prévention des enfants et leur entourage protecteur, c'est-à-dire les parents ou adultes responsables des enfants. Et donc, ils étaient bien outillés pour pouvoir animer des séances de prévention et sensibilisation sur les violences et violences sexuelles auprès des enfants et des parents. Et donc, à l'issue de ce cycle de formation,
Chaque organisation a reçu un guide d'animation des séances de sensibilisation et d'autres matériels, soit format papier et format électronique. La quatrième étape était d'appuyer et de faire le suivi individualisé pré- et post-séance de formation auprès de ces organisations, et notamment dans la préparation, l'organisation des séances avec les parents, adultes et enfants, et l'évaluation des séances de sensibilisation. Et donc, ce suivi a été adapté par téléphone, par Zoom et parfois en présentiel. Ensuite, nous avons, pour la cinquième étape, c'était d'organiser un atelier d'information et de concertation entre les organisations et les partenaires institutionnels sur le signalement et le suivi des cas de violence par région. Et donc, c'était prévu un atelier par région. Le but de ces ateliers est d'améliorer les connaissances des organisations sur le circuit de prise en charge et le référencement des enfants survivants de violences afin de faciliter la mise en réseau des partenaires locaux œuvrant dans la protection de l'enfance. Donc, à la fin, un répertoire détaillé des acteurs de protection de l'enfance sera créé et permettra d'instaurer un système de référencement. Donc, ça, c'est en gros les cinq étapes de ce processus pour l'adaptation de l'axe renforcement des capacités, en gros. Merci beaucoup, Hajar. Et je prie maintenant la collègue de INEE de continuer avec la présentation. Merci. Merci, Anna. Alors, la formation que l'on propose sur Zoom, c'est en alignement avec le niveau 1 du cadre de compétences de l'éducation en situation d'urgence. Ce cadre de compétences est disponible sur le site de l'INEE, INEE.org. Donc, comment on en est arrivé là? On a donc fait des séances de formation pilote. On est parti d'un sondage et d'un questionnaire pour savoir quels membres seraient intéressés. On a eu, ça a été lancé en juin 2020, et on a eu 400 réponses en moins de 10 jours. Donc, à partir de là, se sont organisées les séances de formation pilote et les autres séances de formation. Donc, au total, il y en a eu 16 en 2020. Elles ont mobilisé 225 participants de 63 pays différents et appartenant à 190 organisations différentes. Je vais ajouter ici que ces formations ne s'adressent pas aux enseignants. On a d'autres types de formations et de modules de formation spécifiquement pour les enseignants. Là, c'est vraiment les normes minimales, et donc c'est par rapport au cycle de projet, de programmation, préparation, intervention, relèvement. Donc, c'est vraiment pour l'éducation en situation d'urgence dans sa globalité. Donc, les formations ont eu lieu en anglais, en français, en arabe et en portugais. Et les séances en espagnol vont arriver courant 2021. C'est facilité par deux personnes. C'est sur 3 jours, donc 12 heures sur 3 jours. Donc, c'est vrai qu'il faut se mobiliser un certain temps, ce qui n'est pas toujours facile. On compte beaucoup sur la flexibilité de la plateforme Zoom. Donc, on travaille beaucoup en groupe de travail, des groupes de 4, de 5, pour essayer de rendre les activités le plus interactives possible. Au niveau de la communauté de langue française, CLF, l'acronyme, on avait développé quelques critères pour valider en fait la participation et pouvoir remettre une attestation, un certificat de participation en fin de formation. Donc, on prenait en compte la participation durant les 3 jours, tout en étant, flexible par rapport aux problèmes de connexion. Les participants devaient rédiger un petit devoir de 15 minutes hors ligne.
entre les séances et à la fin des 3 jours, il devait répondre à un questionnaire à choix multiples. Donc, ces éléments mis ensemble faisaient qu'à la fin, on pouvait leur remettre le certificat de participation. Et ensuite, s'organisaient les séances de suivi. Alors là, c'est pareil, selon la communauté de langue, on a adapté de façon différente. Pour la communauté de langue française, on avait décidé sur des sessions de suivi à partir de WhatsApp, donc en créant des groupes de chat, et 2 appels sur Zoom pour voir l'utilisation et l'acquisition en fait des compétences sur 2 mois. Donc 2 rendez-vous après la fin de la formation. Je m'arrête là et je vous en dirai plus tout à l'heure. Merci beaucoup, Emeline. Comme on voit, il y a eu un très grand travail pour adapter les différentes activités des renforcements de capacités. Mais il serait quand même intéressant de savoir quels étaient les défis spécifiques que les 3 organisations ont dû faire face pour l'adaptation. Donc, merci Marianne, c'est à toi. Oui, merci Anna. Donc, vu toutes les difficultés du contexte, il était tellement normal de faire face à plusieurs défis que je vais en citer quelques-uns. Un défi en relation avec la pénurie d'Internet, et j'ai déjà vu une question posée sur ça, donc j'espère que je puisse répondre. Quelques parents avaient une difficulté de télécharger les matériels envoyés par WorldChild dû à la pénurie d'Internet. Plusieurs alternatives ont été mises en place, telles que la fourniture des cartes de recharge ou le téléchargement des matériels sur des MP3 et de les remettre aux parents. Donc, on a mobilisé nos budgets pour en faire face. Et en plus, on a les animateurs qui sont eux-mêmes de la communauté elle-même qui ont fait des visites hebdomadaires aux parents pour qu'ils font le suivi. Un autre défi était en raison de la mauvaise situation socio-économique du pays. Les parents avaient des demandes élevées d'assistance de base, même que leur santé mentale a été affectée et des besoins des services spécialisés émergeaient de plus en plus. D'ici venait la nécessité de la coordination multisectorielle. Dans quelques cas encore, il y en a certains parents qui avaient des défis particuliers en matière de parentalité. Et cela a nécessité le soutien de l'équipe de gérance à WorldChild. Il est aussi important de mentionner la difficulté de mesurer l'impact de l'intervention elle-même à distance sur le bien-être des parents, vu les multiples facteurs en relation avec le travail à distance lui-même, et même que vu les circonstances dans lesquelles les parents vivaient. Pour cela, on a développé des simples outils qui nous ont aidés à comprendre comment cette intervention a pu aider les parents à gérer le stress et les émotions inconfortables, bien que de comprendre encore la façon que cette intervention a pu aider dans la parentalité. Donc, bref, ce sont les défis et les mesures qu'on a pu faire. À vous, Anna. Merci, Marianne. Et on peut continuer avec les collègues de l'association AMAN. Merci. Nous aussi, on a rencontré des challenges, des défis. Le premier, tout d'abord, c'est que on ne faisait pas de formation à distance avant l'arrivée du Covid. Donc, il a fallu adapter notre façon d'animer une formation en maîtrisant d'un coup très rapidement des outils d'animation numérique.
C'est-à-dire, dans un premier temps, il a fallu enrichir déjà notre parc informatique, acheter des casques, des micros, des webcams, avoir une connexion Internet suffisante et la garantir aussi pour faire des formations. Et puis, apprendre à utiliser aussi les fonctionnalités de toutes ces plateformes, les plateformes Zoom, Skype, faire un Facebook Live, faire des petits groupes sur Zoom. Donc, tout ça, il a fallu qu'on le maîtrise assez rapidement. Et puis aussi, une des difficultés, c'était de synthétiser nos messages, puisque la plupart des formations qu'on fait en présentiel, elles se font sur plusieurs jours, puisqu'on aborde des sujets relativement complexes, comme la violence sexuelle, les violences basées sur le genre, l'écoute des enfants survivants de violence. Et donc, notre challenge à nous, c'était vraiment comment transmettre des messages essentiels sur une durée qui est quand même limitée, et dans un format numérique où parfois, comme disaient nos collègues de Workside, la connexion Internet n'est pas très bonne, on n'a pas de caméra ou un son de mauvaise qualité. Donc voilà, c'était un vrai défi. Et le deuxième, c'était aussi d'adapter nos outils d'évaluation. Comment on peut mesurer l'impact de nos formations à distance puisqu'on s'est aperçu que, par exemple, sur le e-learning, ce que les utilisateurs et les participants pouvaient nous dire, c'est que oui, ils appréciaient l'autonomie dans l'apprentissage, mais que souvent, ils se retrouvaient à faire ça sur leur temps personnel. Or, dans des situations d'urgence, ils avaient des plannings qui étaient déjà bien chargés et que surtout, ils avaient besoin d'interaction. Ils se sentaient, du fait du confinement, isolés, ils avaient besoin d'échanger et donc ils ont vraiment apprécié de pouvoir partager leur expérience via Zoom, via les communications WhatsApp par la suite. Donc, ils avaient ce besoin d'interaction. Et la deuxième chose aussi, c'était de réfléchir en interne à nos outils d'évaluation pour les adapter en formation en ligne. C'est-à-dire que d'habitude, quand on est en formation en présentiel, on a des feedbacks réguliers lorsqu'on est en formation par la réaction des gens, par la question que peuvent poser les gens et puis aussi par rapport à leur langage corporel. On voit des fois des résistances, on voit des réactions. Or là, en distance, des fois, on n'a pas la caméra. Comme je disais, on n'a pas toujours un son de très bonne qualité. Donc, c'était pas toujours évident pour nous d'avoir, voilà, est-ce que le message avait été bien compris, etc. Donc, on a adapté nos outils d'évaluation, un post-test et un pré-test en ligne qui étaient proposés lors du premier cycle de la phase 1 et 2 du programme. Mais on s'est aperçu que c'était pas un format, qu'on avait un faible taux de remplissage. Ce programme-là, tout à l'heure, qui a été présenté, il n'est pas encore terminé, c'est-à-dire que la cinquième étape est en cours de réalisation, donc elle n'est pas encore terminée. Donc, on est vraiment intéressé d'avoir des retours d'autres professionnels qui participeraient à ce webinaire pour savoir voilà, qu'est-ce qu'ils ont mis en place comme outil pour pouvoir évaluer leur action sur un format à distance. Je vous remercie. Merci, Lucie. Et je prie notre collègue de INEE de présenter le défi. Merci. Alors, des défis, oui, il y en a eu beaucoup. Il y en a eu beaucoup parce que c'était vraiment une grande première pour nous tous, en fait, au niveau du secrétariat de l'INE, des formations en personne. On en fait, mais avec des outils virtuels, c'était vraiment une grande première. Et forcément, la technologie a été un des plus grands challenges. Le manque de fiabilité, la perte de connexion pour les participants. Et il m'est même arrivé à moi de perdre la connexion pendant une heure parce qu'il y a eu une panne pendant une heure. Donc, heureusement, j'avais la co-facilitatrice Julia Trantan qui a pris le relais et qui l'a très bien fait. Mais oui, la connectivité, c'est vraiment, vraiment le gros défi. Ensuite, il y a l'utilisation des nouvelles technologies. On avait choisi d'utiliser des outils tels que Jamboard et on s'est vite rendu compte qu'en fait, quand il y a un manque de débit, un manque de connectivité, ça bug en fait, ça coupe, les participants ne peuvent pas se connecter, on est obligé de chatter avec eux, donc nous, ça nous interrompt dans le flow de la présentation, de la formation. Après, on a essayé de, voilà, juste de partager un document Word. À chaque fois, on essayait de proposer des solutions comme des formats qu'ils pouvaient utiliser hors ligne et après, on les repartageait. Et puis, d'avoir WhatsApp à portée de main aussi de façon à pouvoir communiquer. Ensuite, il y avait la question du temps. Pouvoir
pour que les participants puissent libérer de tels blocs de temps, ces 12 heures réparties sur 3 jours, avec les agendas chargés que l'on a tous en ce moment, c'était assez difficile. Certains participants n'avaient pas l'autorisation de la part de leurs supérieurs. Il y en avait d'autres qui avaient de grosses contraintes de travail, des urgences aussi qui arrivaient du matin. Donc, c'était un petit peu compliqué à ce niveau-là. Donc, c'est difficile de bloquer plusieurs heures et dans ce cas-là, on trouve que c'est trop long. Mais pour les activités, on trouve toujours que c'est trop court. Donc, essayez de trouver l'équilibre. Donc, comme solution, on avait pensé à un travail préparatoire hors ligne, mais ce n'est pas toujours le plus pertinent parce qu'on veut travailler avec ce manuel que les participants avaient en format PDF. Et on a vraiment besoin d'interaction en direct. Donc, le travail hors ligne pour certains travaux comme les devoirs ou les questionnaires, pour ce qui était de la partie en français. Pour ceux qui ont travaillé en anglais et en portugais, ils ont fait un travail sur des études de cas. Donc là, c'est pareil, ça pouvait être hors ligne. Et les autres défis, c'est qu'au début, on attaquait directement dans la formation et en fait, on s'est rendu compte qu'on ne laissait pas assez de temps aux participants pour échanger. Et en fait, échanger, partager les expériences, c'est quelque chose de très riche et c'est quelque chose qui va dans le sens de ce manuel, aussi de la découverte des travaux. Donc, c'est vraiment essentiel de pouvoir prendre un temps, ce temps d'échange et de présenter son contexte aussi. Et un autre défi pour terminer, c'est que la formation se basait sur un contexte général. Et c'est vrai qu'il faut que l'on aille vers un contexte, des contextes spécifiques, voire des thématiques spécifiques. Donc, on a une formation globale et cette formation globale, il faut qu'on puisse l'adapter en 20 formations spécifiques si besoin, parce qu'on veut vraiment que ça soit ciblé par rapport au contexte. Et même, on a vu que c'était très intéressant d'étudier des particulièrement certaines thématiques. Donc, je m'arrête là et j'ai hâte de continuer à vous présenter nos travaux. Merci, merci Méline. Je vois qu'il y a eu sûrement pas mal de défis, mais il y a eu aussi beaucoup de résultats positifs. Et donc, une fois avoir parlé des défis, je voudrais qu'on se focalise un peu sur ces résultats positifs. Donc, j'ai pris les collègues de WorldChild de nous présenter tous les biens de cette adaptation. Merci. Vous avez déjà dit qu'il y a eu plusieurs défis, mais en même temps, on a observé plusieurs résultats positifs. Maintenant, je vais parler, j'ai choisi trois pour les partager avec vous. Premièrement, je vais parler de l'intégration avec d'autres programmes qui a tellement soutenu la réception du Caregiver Support Intervention parce que les parents d'enfants qui participent à l'enseignement à distance dans nos programmes étaient ciblés dans cette intervention. Le deuxième résultat, c'était la conception de l'approche qui a permis une participation flexible aux parents. Ça veut dire que le temps était flexible et la participation était flexible. Les parents ont exprimé un grand intérêt pour les séances, pour la modalité. Et on a remarqué, bien sûr, que le nombre des parents qui ont quitté les séances était très minime. Les parents étaient vraiment investis et ils communiquaient avec nous régulièrement leurs recommandations. Ils nous donnent des retours positifs à la fin de chaque séance, normalement.
Et il y avait une question de Yang Fu, je l'ai vue et j'ai décidé d'attendre un peu parce que là, je vais citer aussi que l'aspect positif concernant l'intervention, concernant le genre dans l'intervention. Normalement, quand on fait la méthode face à face, nous, c'était réciproque. Et on avait une moindre participation des hommes et des pères. Là, on a eu, parce que les séances se déroulent à des horaires flexibles, les pères avaient la possibilité de participer et d'être engagés et actifs dans les groupes et dans les séances. Et ils étaient vraiment investis. Je m'arrête là. Hein. Merci beaucoup. Merci, Nisrine. Et j'ai pris les collègues de Amman de présenter une partie des résultats positifs. C'est ça. Merci, Anna. Donc, il fallait bien partager avec vous les résultats positifs aussi parce que c'était une première pour faire toutes ces étapes-là en ligne. Donc, nous avons choisi, comme les autres l'ont fait, trois grands résultats positifs à vous présenter. Et donc, cette formation en ligne avait permis une mobilisation rapide d'un nombre important d'organisations, voire 68 personnes, réparties sur tous les territoires marocains sur un temps réduit. En plus du fait qu'elle est peu coûteuse et donc aucun frais de déplacement, aucun frais d'hébergement, etc. La deuxième des choses, c'est qu'elle a permis aussi de créer des liens entre les différentes organisations et entre nous et les différents intervenants aussi, malgré la distance. Et donc, les différents formats utilisés, que ce soit les petits groupes, que ce soit les appuis individualisés, etc., ont permis de créer et de renforcer un réseau et a promu le partage d'expériences entre les professionnels travaillant dans différentes régions du Maroc qui n'auraient pas eu la possibilité de se rencontrer dans le contexte actuel. Et donc, ça a permis de créer un lien de confiance avec nous. Et donc, l'utilisation d'outils numériques a favorisé la réactivité, comme par exemple les mails, les WhatsApp, le Zoom, etc. Nous allons parler de la réactivité par la suite. Et la troisième des choses, c'était le choix d'utiliser deux approches complémentaires, c'est-à-dire la combinaison du savoir-être et savoir-faire a constitué une réussite sur une action innovante qui a consisté à premièrement former à distance les personnes et ensuite les amener à être acteurs dans le changement grâce à un appui individualisé qui soutient le changement des pratiques, notamment la réalisation des séances qu'ils ont, eux, réalisées par la suite avec l'entourage protecteur des enfants, que ce soit les parents, les personnes responsables de l'enfant, et aussi des séances qu'ils ont fait avec les enfants. Et donc, en gros, ce sont les résultats positifs que nous voulons partager avec vous. Merci. Merci, Ajar. Et j'ai pris la collègue de Iné de présenter, de continuer avec la présentation. Merci. Moi, je vais faire écho à ce qui vient d'être dit. C'est vrai que ce qui nous retenait beaucoup de faciliter les formations, c'était les frais. Le fait qu'on n'ait pas de budget pour pouvoir se déplacer, pour pouvoir mobiliser la logistique, etc. Donc, ça nous a permis, à moindre coût, de nous mobiliser, de travailler directement avec plus de 220 participants sur plus de 60 pays. Donc, ça fait une sacrée économie. Vraiment le plus gros point positif, j'ai envie de dire, au niveau de la communauté de langue française, c'est qu'on a eu l'opportunité de proposer ces formations en ligne pour la première fois.
Donc ça, c'est vraiment énorme et pour moi, c'est un aboutissement vraiment formidable. Le fait de pouvoir répondre au présent alors qu'on est très isolé en ce moment, qu'on travaille souvent seul ou on travaille vraiment un peu dans une bulle avec toujours un peu les mêmes personnes, le fait de pouvoir faire en sorte que les gens se connectent, enfin se connectent entre eux, je ne parle pas seulement de connecter sur Internet, ça par contre je pense qu'on en est un peu fatigué, mais voilà, le sentiment d'appartenir à une communauté, de travailler ensemble, c'est quelque chose de très positif, de très porteur, de dynamisant et de motivant, surtout en ce moment. On a par rapport au rapport, etc., aux données, 93,5% des participants qui se sentent plus confiants dans leur utilisation des normes minimales. Je suis témoin, je peux vraiment dire qu'il y a une réelle implication et amélioration directe sur le travail des participants. Et ça, on l'a vu parce qu'il y a eu voilà, les appels de suivi. Et puis, on sait qu'ils ont tout de suite travaillé sur des plans sectoriels renforcés par les normes minimales, sur des plans de contingence. On sait vraiment qu'il y a eu voilà, une action lors de la formation. Il y a eu la réaction, la réactivité dans les semaines, dans les jours même qui ont suivi les formations. On est vraiment très content de voir ces progressions. Voilà, de notre côté, le positif est là, le fait que les gens ont pu se connecter et apprendre. Merci beaucoup, Emeline. Et donc, je voudrais conclure cette conversation en vous demandant quelles recommandations vous avez pour les autres organisations qui vont entreprendre ce même travail d'adaptation. Voilà, Marianne, à toi la parole. Merci, Anna. Donc, les recommandations que je vais en citer sont basées sur ce que nous avons appris de cette expérience tout au long de cette année. Donc, on a appris que lors du développement des matériels, il est important de mettre l'accent sur les éléments clés pour pouvoir créer des messages rapides et simples dont les parents puissent en faire avantage. Et le choix des thèmes doit présenter une grande pertinence avec le public et le contexte. On a aussi remarqué l'importance d'être bref et l'utilisation d'un langage tellement simple. On a été tellement prudent que la durée des enregistrements ne soit pas plus de 3 minutes, même que le suivi continuel avec les parents était tellement important, car c'est parce que par ce suivi qu'on a pu faire le lien avec la communauté et ce lien nécessaire qui a pu maintenir le groupe et le support du groupe. Et enfin, on ne pouvait pas faire cette intervention toute seule sans l'orientation vers d'autres ressources de soutien, soit que à l'interne de World Child ou vers d'autres NGO dans le pays. Et merci bien de ma part. Merci, Marianne. Et on peut continuer avec les collègues de Amman. Oui, alors c'est des choses qui ont déjà été dites par les collègues juste avant nous. On est tout à fait d'accord, c'est-à-dire que le format distanciel, parce que l'attention des participants elle est plus fragile du fait de la connexion, du fait de la distance, du fait de l'écran, on doit vraiment sélectionner des messages qui soient le plus simple possible, ce qui est un exercice pas toujours simple, et qui soient courts et simples. Le deuxième, c'est de vraiment, en tout cas sur le programme qui a été développé par Aman, c'est de vraiment définir qui fait quoi pour que les personnes qui ont à être mobilisées n'aient pas 36 référents dans le programme et avoir des canaux de communication, des outils de communication qui soient précis aussi. C'est-à-dire, pour donner des exemples, tout ce qui était information formelle de quand est-ce que va avoir lieu la formation, merci de remplir le pré-test, voici le lien vers la plateforme d'apprentissage. Ça c'était transmis par mail par la chargée de projet notamment.
tous les échanges rapides ou pour avoir une précision sur une date, un horaire, une communication personnelle, ça passait par WhatsApp ou par le téléphone. Pour tout ce qui était les suivis, les réunions de suivi ou les étapes de formation, c'était par Zoom pour favoriser l'interaction entre les participants. Et je termine avec le point du suivi post-formation que nous avons trouvé très essentiel et très important après chaque action, car il a permis de vérifier la compréhension auprès des organisations avec lesquelles on a travaillé, de les appuyer, de les suivre, et aussi il a permis la mise en place des séances par les participants. Et donc aussi, et le plus important, c'est qu'on a vu l'impact. Donc ce suivi post-formation nous a permis de voir l'impact concret dans le changement des pratiques. Bien à toi, Anna. Merci, Lucie et Hajar. Et on passe au collègue, à Emeline de INEE. Merci. J'essaye de fermer ma fenêtre. J'étais en train de répondre à quelqu'un. Pardon. Au niveau des recommandations, c'était par rapport au fait de libérer le personnel pour suivre la formation. Donc, une demande en fait aux organisations d'autoriser le personnel, voilà, à prendre ce temps de développement des capacités qui après bénéficiera à l'organisation. Ça ne sera pas seulement au bénéfice de la personne qui aura suivi la formation. Ensuite, c'était d'envisager le prêt de matériel ou de permettre une connexion Internet depuis un point stable pour remédier aux soucis technologiques. Et puis, si vous souhaitez connaître les prochaines dates et en savoir plus sur les formations, de suivre les actualités de l'INE, pardon. Donc, le site web, c'est inee.org. Et vous pouvez aussi m'écrire, je vous mettrai l'adresse dans le chat pour que vous puissiez vous inscrire aux prochaines formations. J'ai répondu aux questions, mais je sais qu'il y en avait une autre qui m'était destinée. On va voir ça par la suite, c'est ça, Anna? En effet, maintenant, je voulais ouvrir aux questions de participants et rappeler aux participants qu'ils peuvent poser les questions soit verbalement, soit à travers le chat. Mais Anita, est-ce qu'il y a des questions dans le chat? Oui, nous avons 4 questions. Justement, Emeline, une c'est pour vous, donc peut-être vous pouvez commencer à répondre à la question. Vous voulez que je la lise? C'était la question de Ouda. Oui, donc la question, elle dit ceci. Par rapport au petit devoir, est-ce que les 100% des participants l'effectuaient? Est-ce qu'il y avait des obstacles pour avoir leur réponse? Si oui, comment vous avez fait face aux obstacles? Et s'il n'y avait pas des obstacles, comment vous avez fait? Quelle méthodologie vous avez suivie? Oui, alors pour la méthodologie, en fait, les modules de formation ont été développés par nos collègues du groupe de renforcement des capacités. Et après, pour la communauté de langue française, ça a été, je ne vais pas dire adapté, mais ça s'est un petit peu précisé parce que nous, on a donc développé ce devoir. Et après, le questionnaire à choix multiples, je vous avoue que le nom de la méthodologie, c'est une échelle en fait de classification et elle m'échappe totalement. C'est le nom de l'auteur et je ne m'en souviens plus à cet instant T. Mais je pourrais le partager avec les participants si besoin. Le grand avantage pour le suivi, tout ce qui était monitoring pendant la formation, c'est qu'on était en petit nombre. Si vous voulez, au début, il y avait peut-être 20, on prenait des cohortes de 20 participants et souvent, on avait 5 participants en moins parce qu'ils ne pouvaient pas se libérer à ce moment-là. Donc, le fait d'avoir des petits groupes, ça nous permettait un suivi vraiment rapproché.
En effet, 100% des participants ont bien effectué les devoirs. Si jamais, pour une raison ou une autre, ils ne le rendaient pas, on leur envoyait un rappel, on essayait de voir avec eux comment on pouvait les aider. Mais je vous avoue qu'on n'a pas eu de difficultés à ce niveau-là. Des fois, il y avait des problèmes de téléchargement du document, donc c'était très facilement solutionné. Et aussi, ce qu'on a pu faire, s'ils n'arrivaient pas à télécharger, on copiait les questions et on les collait dans un email. Et la personne répondait par le mail. Donc, c'était aussi simple que ça, en fait, au niveau du suivi des devoirs. Et le devoir, c'était vraiment la mise en pratique directe de ce qui avait été appris dans la première et la deuxième journée de formation. Et le QCM, le questionnaire à choix multiples, ça donnait des scénarios. Il fallait que, voilà, une fois de plus, ils utilisent ce qu'ils avaient appris pendant les 3 jours. Donc, merci Ouda pour cette question. J'espère que j'y ai répondu. Merci Emeline. Anita, est-ce qu'il y a d'autres questions ou si un participant veut poser une question? J'ai pensé, comme je regarde le temps, peut-être on peut répondre à une autre question. Et après, pour les autres questions, ce qu'on pourrait faire, on va collecter les réponses et on les partagera à travers Facebook. Mais sinon, la dernière question à laquelle on pourrait répondre de la séance aujourd'hui, peut-être c'est une question plutôt pour Warchild et Aman. Alors, la question, elle dit ceci: comment le système de référencement est resté fonctionnel dans la confidentialité et comment les consentements des clients ont été recueillis? Ok, Marianne, vas-y. Bon, tout d'abord, pour le consentement, comme vous le savez, pour les adultes, le consentement, on prend le consentement oralement. Donc, chacun des parents a été consulté et le consentement est pris oralement par téléphone. Là où on avait la chance de les voir face à face, on les fera face à face. Donc, ça, c'est pour le consentement. En ce qui concerne les referrals, on a une équipe de protection à WorldChild et il y avait des règlements pour le groupe. Donc, dans ce règlement, on a insisté à ne pas partager des choses confidentielles sur le groupe. Là où tu as besoin de partager quelque chose de confidentiel, il est nécessaire que tu appelles l'animateur d'une façon privée. Et l'animateur lui-même, il fait le referral au team ou à l'équipe de protection pour prendre en considération que tout le process soit confidentiel. Je souhaite que j'ai pu répondre à la question. Nisrine, si tu as quelque chose à ajouter. Oui, je vais juste ajouter qu'il y avait self-referral. Yani on a donné le numéro de téléphone du support national où les parents peuvent directement contacter et consulter ce numéro et demander du support. Merci. Merci. Est-ce que Lucie, qu'est-ce que tu veux répondre aussi à cette... Alors, nous, c'est plus rapide parce qu'on n'avait pas de contact nous direct avec des enfants. Victimes ou des enfants survivants de violences, puisque on était avec des associations qui étaient volontaires, qui s'étaient inscrites dans ce cycle de formation. Et dans la dernière partie qui était sur le référencement, on était là sur plutôt qui contacter en cas de problème. On ne parlait pas de gestion de cas particuliers, mais que les associations connaissent le service du procureur, le service de l'hôpital, le service de la police, et comment ça se passe si je dois signaler la situation d'un enfant victime de violence, à qui je dois m'adresser,
Donc, c'était vraiment le référencement dans un sens de circuit de prise en charge. Donc, il n'y avait pas de personnes qui étaient nommées. Donc, on n'était pas dans la question du consentement ou du respect de l'individu particulier. D'accord, merci beaucoup. Et en étant conscient... C'est ça, et surtout que l'action n'est pas encore... Vas-y. Oui, je voulais dire surtout que l'action de référencement n'est pas encore faite par nous. C'est-à-dire on l'a prévu, mais cette étape-là, comme a dit Lucie auparavant, n'est pas encore faite. D'accord. Merci beaucoup pour la précision. Et en étant conscient du temps, comme Anita vient de mentionner, on pourra répondre aux autres questions plus tard. Et donc, je voudrais d'abord remercier toutes les présentatrices pour leur intervention et la présentation de leur expérience. Je voulais aussi remercier les participants à ce webinaire pour le temps qu'ils ont dédié à cela. Et je voulais rappeler aussi aux participants de répondre à la question, à une autre question qui est posée sur Mentimeter et dont vous trouverez les liens dans le chat. Et je voudrais aussi remercier Anita pour tous les supports qui nous a donné derrière, et aussi Katie pour tous les supports d'un point de vue technique. Et donc je crois que Anita, tu as quelque chose à dire, sinon on pourra s'arrêter là. Et vraiment, merci beaucoup à tout le monde. Anita ou Elena, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Non, merci Anna, ça va comme ça. Merci à tous les panélistes et merci à Anna pour la facilitation et à tous les participants pour votre engagement très actif. Merci.